Salut la famille, j'espère que vous allez bien mes frères et chers. Donc Saifou Mbandé prépare un nouveau clip. L'artiste guinéen Saifou Mbandé prépare un nouveau clip qui va sortir bientôt. Saifou Mbandé me prépare des clips. Hesso Yalto, Ndare Halana. Vous allez voir les préparations de Saifou Mbandé. C'est un génie de la musique. On va parler aussi, en tout cas, les nouveaux clips de Hitchibo Rap. Donc les rappeurs guinéens, les rappeurs philosophes. Regardez ce qu'elle a fait. Mais maximum de likes et de partages. D'abord, écoutons Safa Diallo. Voilà mes frères et sœurs, donc vous avez écouté un peu en tout cas les débuts des nouveaux clips de Safa Diallo qui va sortir bientôt. Safa Diallo c'est un artiste guinéen qui fait du dancehall. Je pense qu'il est basé en Jamaïque ou bon en Europe, mais en tout cas c'est un artiste guinéen qui fait du dancehall souvent. Mais là en tout cas je pense qu'il prépare un clip de love, c'est pas un clip de dancehall. Donc là les clips de Safa Diallo c'est un clip de love, excusez-moi. Donc voilà, Safa Diallo il a fait même une collaboration, un featuring avec Beniman, donc l'artiste guinéen, donc Safa et l'artiste jamaïcain. Donc Safa Diallo, il est connu en Jamaïque, il est connu partout, un peu en Europe. Donc c'est un artiste engagé aussi, c'est un artiste en tout cas qui valorise la dancehall africain, surtout aussi la musique africaine. Donc voilà, surtout il a fait une collaboration avec des artistes aussi espagnols. Maintenant on va parler en tout cas des groupes Hitchibo Rap, l'un des meilleurs rappeurs africains. Donc c'est des rappeurs philosophes. Donc regardez les clips qui viennent de sortir, vous allez voir, parce que les clips là parlent des femmes. Les clips là en tout cas c'est un clip de message. Donc philosophe, excusez-moi j'ai dit philosophe, et du coup Hitchibo Rap, donc c'est un groupe talentueux, un groupe en tout cas, comment je vais qualifier Hitchibo Rap. Donc je pense que là c'est un featuring, parce que là je connais pas cette mec là, mais du coup je connais, excusez-moi, chez lui je ne connais pas. Non, ça c'est pas Hitchibo Rap, ou bien ils ont recruté quelqu'un. Voilà, il y a Hitchibo Rap, mais lui là je vous dire, je ne connais pas. Hitchibo Rap c'était les... Là, c'est un message en tout cas qui est en train de... Voilà les Hitchibo Rap. Mais lui, là, je ne les connais pas. Je vais me renseigner, excusez-moi. Parce que lui, là, je ne les connais pas. Mais bon, regardons ce qu'elle a fait. Parce que Hitchibo Rap, je pense que donc, c'est l'un des petits de Hitchibo Rap. Donc, ils ont en train de les former. Je pense que ça va être en tout cas du lourd, la famille. Allez-y, regardez les clips. Les clips sont magnifiques. Les clips parlent des messages, la famille. Voilà, les clips, en tout cas, véhiculent des messages. Parce que c'est Hitchibo Rap. Maintenant, on va parler de Saifou Mbaldé. L'artiste guinéen prépare un nouveau clip. Donc, le dernier clip de Saifou Mbaldé a eu un succès. Parce que 1 million de vues et quelques... Pendant 1 million de quelques... Ouais, pendant une semaine ou deux... neuf jours seulement. Mais là aussi il a promis de sortir un nouveau clip le 15 octobre ici. Donc préparez-vous, le nouveau clip de Saifou Mbaldé arrive, parce que son dernier clip a eu un succès énorme partout. Le dernier clip de Saifou Mbaldé, je pense qu'en ce moment Saifou Mbaldé il est meilleur artiste en Afrique de l'Est. Oui, regardez déjà l'image des clips de Saifou Mbaldé qui va arriver sur vos écrans bientôt. On va danser encore, on va danser. Je pense que là aussi il va avoir un succès énorme, la famille. Donc je pense que aussi il va gâter tout. Le mec là il est en train de gâter tout, il est en train de ramasser tout cette année. C'est pour lui. Vous savez que c'est comment il s'appelle l'artiste ivoirien Kérosène qui a chanté année de mon année. Donc cette année c'est pour l'artiste guinéen Saifou Mbaldé. Oui, si vous connaissez pas Saifou Mbaldé, allez sur YouTube, tapez Saifou Mbaldé, vous allez voir qui est Saifou Mbaldé, parce que l'artiste il est énorme, la famille. Donc c'est le seul artiste guinéen qui finance son clip des milliards, des millions qui dépassent pour faire des clips en tout cas. Donc allez y voir, parce que vous allez adorer. Tous les clips de Saifou Mbaldé c'est des clips magnifiques. Surtout aussi Saifou Mbaldé, donc c'est quelqu'un qui fait des mélodies. Donc les musiques de Saifou Mbaldé c'est des mélodies, la famille. Vous allez danser parce qu'il a une belle voix déjà. Donc aussi il est stylé, donc il s'habille bien, et du coup voilà, il sait comment faire des clips. Vous voyez, donc c'est un artiste bon qui est engagé, surtout aussi qui est encadré. Voilà, Saifou Mbaldé il est bien encadré, il est engagé aussi. Donc voilà, c'est un art, je peux dire tout court, c'est un artiste tout complet. C'est un artiste, il est bien organisé. Voilà, chaque 2 mois, il peut sortir un clip. Chaque 3 mois, il peut sortir des clips. Donc, ce n'est pas un artiste qui ne travaille pas. Non, tout le temps, lui, il travaille pour en tout cas faire évoluer la musique africaine. Surtout aussi pour faire évoluer la musique guinéenne. Donc, attendez les nouveaux clips de Saifou Mbaldé, Harino Arlé. Mais maximum de likes et de partages. Maintenant, on va parler en tout cas des célébrations de la musique africaine. Donc, qui va se passer en Angleterre. Donc,
Voilà. Et du coup, là, vous avez Diamant Place. Donc, tout le monde connaît Diamant Place. Donc, Saïfou Mbalde, donc, c'est Diamant Place de la Guinée. Donc, voilà. Il y a Diamant Place. Il y a Sarkozy. Donc, voilà. Sarkozy, donc, c'est un rappeur ghanéen. Donc, c'est un rappeur africain aussi qui a un talent énorme. Et aussi, il y a Vesdream. Donc, Vesdream, donc, c'est un artiste d'origine ivoirienne, mais c'est un artiste français. Donc, voilà. Et aussi, elle, je la connais pas trop, mais c'est Vini. Bon, les noms là, c'est compliqué. Hein? Mais du coup, en tout cas, il y a l'audi aussi. Donc voilà, allez-y. Donc, je ne peux pas dire allez-y parce qu'il y a certains qui vivent en Afrique. Donc, en ce moment, en tout cas, les artistes africains, en tout cas, valorisent la musique africaine. Surtout aussi, les artistes africains écoutent partout. Donc, les concerts là, ça va être un concert énorme. Merci.